10 actes héroïques surprenants filmés par les caméras. Il n'est pas nécessaire d'être Superman ou Spider-Man pour être un héros. C'est ce que vous prouvera notre liste des 10 actes héroïques surprenants filmés par les caméras. Vous verrez des héros improbables qui ont transformé leurs mauvaises habitudes en bonnes actions et des héros désintéressés qui risquent leur vie pour leurs congénères. Numéro 10. Héros incroyable. Selon la mère de l'enfant, son mari avait attaché leur fille sur le siège de la voiture et jeté les clés sur le siège avant. Lorsqu'il a fermé la porte arrière, il s'est rendu compte que la voiture était fermée à clé. Heureusement, un groupe de prisonniers travaillait non loin de là. Dotés de compétences particulières, ils ont secouru les parents en détresse. Les hommes en uniforme rayé se sont précipités pour apporter leur aide, sous la supervision du shérif local, bien sûr. Un prisonnier a utilisé un cintre pour déverrouiller la porte en quelques minutes. Le shérif Chris Noko a admis que la situation inhabituelle justifiait qu'un prisonnier puisse utiliser ses compétences pour pénétrer dans la voiture. Grâce à ces hommes, l'enfant a été sorti du véhicule, indemne. Numéro 9. Un peu de temps et d'effort. Dans ce clip, vous pouvez voir comment un vieil homme essaye de traverser une rue très fréquentée, probablement en Chine. Il semble soudain se raidir au milieu de la route et ne bouge plus d'un centimètre. Alors que les voitures continuent de passer devant lui et que personne ne le regarde, ce conducteur au grand cœur prend une décision désintéressée. Il arrête sa voiture au milieu de la circulation pour aider le vieil homme. Il descend de sa voiture et porte le vieil homme sur son dos jusqu'au bord de la route. Quel acte héroïque ! Cela n'a demandé au conducteur que quelques minutes de son temps et un peu d'effort. Numéro 8. Un voisin attentif. Alors qu'il était dehors, Wang Jinwei a entendu les pleurs d'un enfant. Il a levé les yeux et a été choqué par ce qu'il a vu. Une fille terrifiée était en équilibre sur la façade du bâtiment, au 5e étage. Elle se tenait à un tuyau d'évacuation. Elle avait le pied gauche sur le bord de la fenêtre, au 5e étage, et le pied droit sur le tuyau. Le voisin a immédiatement appelé la police, et il est allé chez lui récupérer une couette. Avec l'aide d'autres voisins, il a étendu la couette sous la fillette, pour la récupérer en cas de chute. Une autre personne sur les lieux, Guo Xiaguang, a agi rapidement. L'homme s'est souvenu qu'il y avait une grue sur les lieux où il travaillait. Il a rapidement enfourché un vélo électrique et a amené le véhicule sur le lieu du drame, sans autorisation, car chaque seconde comptait. Il a levé la grue et a pu sauver la jeune fille à temps. Il s'est avéré par la suite que la petite fille s'était précipitée par la fenêtre parce qu'elle voulait aller jouer dehors. Sa mère l'avait laissée seule dans l'appartement et avait fermé la porte à clé. Numéro 7. Un homme sauve un conducteur victime d'un accident vasculaire cérébral. Un ange gardien est arrivé au bon moment, lorsque le conducteur d'une voiture en marche, à Dixon, a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Randy Tompkins n'a ni cap ni pouvoir surnaturel, mais ce qu'il a fait est vraiment admirable. L'homme de 39 ans était dans sa voiture, quand il a vu une autre voiture qui roulait sur la mauvaise voie. La voiture en mouvement se dirigeait vers lui et sa femme. Il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas et il a réalisé que le conducteur avait eu une attaque parce que ses bras étaient le long de sa poitrine. Il a garé sa propre voiture, puis il a sauté de sa voiture pour plonger par la fenêtre de l'autre voiture et arrêter le véhicule. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a vu Randy sauter par la fenêtre côté passager et la voiture roulait à environ 15 ou 16 km par heure. Il était vraiment au bon endroit et au bon moment. L'incident a été filmé par une caméra de police. La police a salué l'acte héroïque de Randy, qui a sauvé un parfait inconnu. Numéro 6. Héros de supermarché. Une mère en proie au désespoir est entrée dans un supermarché avec un bébé dans ses bras. L'enfant ne montrait aucun signe de vie. Elle a tendu son enfant aux premières personnes qu'elle a vues, en leur demandant de l'aide. Le père est arrivé en courant dans le magasin, paniqué, ne sachant ce qu'il devait faire. Quelque chose était probablement coincé dans la gorge de la petite fille, qui l'empêchait de respirer. Rowan O'Neill, l'homme à la caisse, est alors passé à l'action et a mis l'enfant sur le comptoir. Il a essayé de la réanimer. Au bout de 90 secondes, il a réussi et l'enfant a recommencé à respirer. Le père a remercié Rowan de tout son cœur d'avoir sauvé sa petite fille et il l'a embrassée chaleureusement. Ce moment vraiment émouvant a été filmé par une caméra. Numéro 5. Le chien a également été sauvé.
Lorsque la ville de Baton Rouge, en Louisiane, a été confrontée à des inondations en 2016, une femme et son chien se sont retrouvés dans une situation très dangereuse. Ils étaient coincés dans une voiture qui a commencé à couler rapidement après avoir été emportée par l'inondation. Heureusement, juste au moment où le véhicule a commencé à couler, les secours sont arrivés. Un des secouristes a crié qu'il avait besoin d'un couteau. Grâce à ce couteau, il a rapidement ouvert le toit de la décapotable. Cela n'a pris que quelques secondes et il a pu sauver la conductrice. La première chose que celle-ci a dit en remontant à la surface est que son chien se trouvait encore dans le véhicule. Et oui, le secouriste est retourné sauver le chien de la femme en plongeant. Au total, pas moins de 20 000 personnes et au moins 500 animaux de compagnie ont été sauvés. Par coïncidence, le sauvetage héroïque de cette dame et de son chien avait été filmé. Numéro 4. Juste à temps. Fezi Zabaat, un adolescent de 17 ans d'Istanbul en Turquie, marchait sans se douter de rien sur une route lorsqu'il a soudain vu quelque chose d'effrayant. Il a vu une fillette de 2 ans jouer près d'une fenêtre qui était ouverte. Anticipant le pire, le jeune homme est resté sur les lieux en fixant l'enfant avec anxiété. Il a alors eu une réaction très rapide qui a permis de sauver la vie de l'enfant. Son acte héroïque a été filmé par une caméra de sécurité à proximité. La vidéo montre la petite fille tombant par la fenêtre et le jeune homme la rattrapant dans ses bras, juste à temps. S'il n'avait pas été là, exactement à ce moment et à cet endroit, les choses se seraient passées complètement différemment. Youssouf Mohamed, le papa de la petite fille, a remercié Fezi et a donné au jeune héros une récompense pour avoir sauvé sa petite fille. Numéro 3. Un ami en or. Un lycéen de West Jordan doit sa vie à son ami. Pendant la pause déjeuner, Jackson Johnson a commencé à s'étouffer après avoir avalé une bouchée de son sandwich au poulet. Le garçon avait du mal à respirer. Il s'est levé et s'est mis à tousser. Il s'est dirigé vers la poubelle et a essayé de cracher pour déloger le morceau de poulet. Pendant ce temps-là, ses amis rigolaient, pensant qu'il n'y avait rien de grave. Voyant qu'il n'arrivait pas à déloger le morceau de sa gorge, Jackson s'est retourné vers son ami. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas respirer et qu'il était en train d'étouffer. Lorsque Jackson a montré le signe international de suffocation, que son visage a changé de couleur et que la peur était visible dans ses yeux, Hunter a décidé d'appliquer la technique de Heimlich. Hunter avait appris cette technique à l'école, ça tombe bien. Mais il n'avait jamais imaginé devoir l'utiliser dans la vie réelle. Quel coup de chance que Hunter ait été attentif pendant ce cours. Il savait exactement quoi faire et il a pu sauver son ami. Numéro 2. Père et bébé. La dernière chose qu'on aimerait vivre en marchant dans la rue, c'est de tomber dans un trou. Et c'est exactement ce qui est arrivé à ce type. Il marchait dans la rue avec un bébé dans les bras. L'homme a marché sans se douter de rien sur un trou qui était recouvert d'une plaque. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la plaque était mal fixée. L'homme est alors soudainement tombé dans le trou avec le bébé. Heureusement, il a réussi à tenir le bébé au-dessus de sa tête. Il ne pouvait pas sortir du puits lui-même, car il tenait le bébé. Deux personnes qui passaient par là ont vu l'accident et ont aidé l'homme à sortir. Une personne a attrapé le bébé, tandis que l'autre donnait un coup de main à l'homme. Heureusement, l'homme, tout comme le bébé, s'en sont sortis indemnes. Dans le clip, vous pouvez voir qu'il essaye de réparer la plaque une fois qu'il est sorti d'affaire. Probablement pour s'assurer que la même chose n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Avant de vous montrer le numéro 1 d'aujourd'hui, j'aimerais que vous vous abonniez à la chaîne. Il suffit d'appuyer sur le bouton d'abonnement et sur la cloche pour regarder chaque jour une nouvelle vidéo. Et cliquez aussi sur le bouton like si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à maintenant. Et enfin, notre numéro 1. Tout le monde est sauvé. Un Boeing 737 avec près de 50 personnes à bord, s'est écrasé dans une lagune de l'État de Micronésie dans le Pacifique. L'avion était censé atterrir. Cependant, quelque chose a mal tourné et l'avion n'a pas réussi à atteindre la piste et il a fini dans l'eau. L'événement dramatique a été filmé et la vidéo montre comment 47 personnes, y compris l'équipage, ont été secourues alors que l'avion était très rapidement submergé par les eaux. Avant l'arrivée des premiers sauveteurs, la moitié de l'avion avait déjà coulé. L'un des passagers a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. Heureusement, toutes les personnes à bord ont été sauvées et évacuées en toute sécurité. Lequel de ces héros vous a le plus marqué ?
Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous voulez voir une autre vidéo comme celle-ci, revenez ici demain sur la chaîne.